retrouver à l'aile, plutôt, je dirais, les bureaux, là où l'escalier monte chez le préfet. Et à ma grande surprise, j'ai entendu des tirs et tout de suite, je me suis dit, mais c'est pas normal. Et j'ai vu que c'était à l'intérieur, donc on avait forcé une des portes peut-être pour rentrer, parce que c'est très proche. Et quelques instants après, j'ai vu trois policières, elles pleuraient et j'ai pu rien faire pour eux. Et les collègues aussi pleuraient, donc je me suis dit, ça doit être grave. Ben, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe, si c'est un attentat ou si c'est plusieurs personnes, ils sont rentrés pour peut-être tuer des gens. Donc j'ai été méfiant et j'ai vu tout de suite les policiers, ils ont dégainé, ils étaient armés tout de suite. Parce que là où je me trouvais, 99% des gens, c'est des policiers. Et surtout, il y avait beaucoup de jeunes filles, ils se sont tout de suite mis à hurler, pleurer. J'ai dit, c'est très grave. Et oui, il y a de la panique quand même, mais bon. On connaît bien les collègues et quand ils nous disent de bouger, on s'exécute parce que c'est pour notre sécurité automatiquement et la sécurité des citoyens. Mais c'est vrai que là, c'est très angoissant parce que c'est violent, quoi. D'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment, on n'a pas vu la scène et j'ai pas entendu non plus de coups de feu. Mais c'est les gens qui m'ont dit.